voit la pointe et la flèche de la cathédrale de Strasbourg au milieu, cette masse noire qui est la silhouette emblématique à la fois de l'agglomération, de la ville et de l'ensemble de l'Alsace. Très belle vue. Ce matin, cet avion entame un vol au-dessus du Rhin, à quelques kilomètres de Strasbourg. À son bord, Antoine Beyer étudie l'évolution des paysages de la région. Les principales agglomérations qu'on voit en survolant sont plutôt en léger recul par rapport à la rive. Historiquement, le Rhin était menaçant du fait des inondations régulières. Certaines villes ou villages ont été inondés et ont été reconstruits à l'abri en retrait de 1-2 km du cours principal du Rhin. Antoine survole une partie du Rhin endiguée à partir du 19e siècle pour limiter les inondations. À droite, on aperçoit la partie aménagée pour le passage des bateaux et à gauche, le vieux Rhin, encore sauvage. On voit aussi très bien les lambeaux de la forêt rhénane qui étaient beaucoup plus étendus autrefois et qui sont maintenant contraints et limités dans l'espace. Une bonne partie a été mise en culture. On voit bien dans le paysage ici comment la forêt est inondée avec différents cours d'eau qui s'immiscent dans la forêt, forêt galerie avec beaucoup de lianes. La plupart de ces forêts sont maintenant des réserves naturelles et permettent de préserver ce qui reste de cette forêt rhénane qui est particulièrement sensible. Alors ce qui est intéressant, c'est que le Rhin, qui était relativement large, son lit principal en fonction des crues pouvait varier, et avec elle, les frontières. Au 19e siècle, quand on a établi un chenal principal, on fixait aussi de manière définitive la frontière entre le pays de Bade et la France. Sur les bords du Rhin, une ville témoigne des fluctuations de la frontière. Pour la découvrir, il faut franchir le fleuve et survoler la rive gauche, en Allemagne. On arrive alors en vue d'une ancienne possession française. Alors là, on voit le rocher de Brisach, Breisach am Rhein, vieux Brisach pour les Français. Donc c'était un éperon rocheux. Depuis l'époque romaine, c'était un point stratégique. Et les Français, à l'époque de Vauban, avaient pris le contrôle et fortifié la ville. Mais à la fin du XVIIe siècle, le royaume de France perd Vieux-Brisach, qui redevient une ville du Saint-Empire romain germanique. Louis XIV fait alors construire une nouvelle citadelle par Vauban, juste en face, côté français, Neuf-Brisach. On voit très bien se dessiner les formes caractéristiques en étoiles du système de Vauban, avec la place d'armes centrale, l'église au centre et les casernes qui marquent le pourtour de la ville. La ville elle-même a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite. On voit le plan d'habitat avec un urbanisme régulier qui est préservé tout autour. Après avoir survolé le Rhin jusqu'à Neuf-Brisach, l'appareil va traverser la plaine d'Alsace et rejoindre les châteaux forts qui s'égrènent le long des collines, au pied du massif des Vosges. Le géographe atteindra ensuite sa destination finale, les grands lacs vosgiens, qui se répartissent entre l'Alsace et la Lorraine. Antoine survole maintenant la plaine d'Alsace. On voit bien l'étroitesse de la plaine d'Alsace, une largeur d'une quarantaine de kilomètres. On devine aussi au loin la ligne bleue des Vosges, dans laquelle se reconnaissent les Alsaciens, avec les principaux sommets qui apparaissent. Voilà, une très très belle vue où on voit très nettement le contact entre la plaine, avec des cultures de maïs, dans les tons ocre, blond, et puis tout de suite après le vignoble, et qui s'étend jusqu'au pied des Vosges et qui délimite la partie qu'on appelle les collines sous-vosgiennes. On voit aussi tout le lacis, les routes qui mènent aux parcelles, qu'on peut distinguer quasiment une par une en fonction des alignements des pieds de vigne.
Au sommet de cette colline se détachent les trois châteaux des Guissem. Ces trois donjons et la forteresse du Hollandsburg protégeaient la plaine. Au Moyen Âge, l'Alsace, située au cœur de l'Europe, suscitait les convoitises. L'avion survole une série de fortifications construites le long des collines. Elles défendaient les principales voies de communication. Antoine Beyer arrive en vue du plus emblématique château de la région, le Haut Königsbourg. Alors, il s'agit d'un château qui a été reconstruit, rénové au début du XXe siècle par Guillaume II. Donc, il a été remeublé, redécoré, un peu dans le goût de l'époque du début du siècle. Et on a ce très beau grès rose aussi, là, qui est aussi des caractéristiques des couleurs de l'Alsace. Donc, le donjon carré, tour ronde, voilà, magnifique point de vue sur ce château. On voit le rocher qui soutient le château là, et qui en font une sorte de vaisseau qui domine les vallées. Magnifique. La prochaine destination du géographe, le massif des Vosges. Voici le Grand Ballon, le plus haut sommet alsacien. Son radar culmine à 1400 mètres. Donc devant nous, c'est la partie la plus élevée du massif. Couverture boisée jusqu'au haut de chaume qu'on va découvrir progressivement. Les conditions climatiques particulièrement rudes conduisent au retrait de la forêt, du fait de la violence des vents, de l'importance des précipitations sous forme neigeuse qui empêche le développement de ces forêts. Ces landes d'altitude, qu'on appelle les hautes chaumes, couvrent les sommets vosgiens. Ces paysages remarquables sont aujourd'hui classés pour la richesse de leur flore. De très beaux paysages ici, vous voyez, qui ouvrent des points de vue assez saisissants de part et d'autre sur ces vallées. Très beau aussi dans ces paysages, c'est des reliefs successifs avec un dégradé de couleurs qui se perd dans des verts assez soutenus au premier plan et vers des bleus de plus en plus lointains. En survolant les hautes chaumes, Antoine arrive au-dessus d'une route unique en France, la route des Crêtes. Longue d'environ 80 km, elle a été construite pendant la Première Guerre mondiale par l'armée française pour desservir toutes les lignes situées à l'arrière du front. C'était une route stratégique qui permettait de relier les hautes vallées qui étaient tenues par les Français, les sommets, face à l'armée allemande qui était bien installée. Alors il faut imaginer aussi les conflits pendant les saisons hivernales très dures où les températures tombent en dessous de 0 degré. La route passe au pied d'un autre sommet symbolique du massif, le Honeck. Aujourd'hui, c'est un repère géographique. Donc le Honeck, qui marque la frontière entre l'Alsace et la Lorraine, et au sommet, ces fermes auberges et ces hôtels qui ont une tradition très ancienne. Dès le milieu du 19e siècle, le tourisme vosgien était très réputé. Le Honeck domine un cirque glaciaire vertigineux. À ses pieds se trouve un lac caractéristique du massif des Vosges, le Schisrottrid. Donc on a ici un peu le cas typique du lac avec sa retenue. Alors une partie de ces lacs sont d'origine naturelle, mais ont été rehaussés par des murs, à la fois pour servir de réservoir pour les besoins de l'industrie dans les vallées, notamment dans les périodes sèches d'été, et pour réguler les cours d'eau en aval. Un peu plus loin, apparaît un autre lac typique, le lac Blanc. Il tient son nom de la couleur du sable clair qui entapisse le fond.
Le lac Blanc est dominé par une statue de la Vierge qui se dresse au-dessus de l'eau. L'avion effectue un virage à 180 degrés pour se diriger vers le versant lorrain du massif, la dernière étape du vol d'Antoine. On voit que la pente est beaucoup plus douce et progressivement la transition se fait vers le plateau lorrain. La ville de Gérardmer, avec son lac, c'est le plus important, le plus étendu. On voit encore des grands établissements industriels, mais l'activité principale, et dès le 19e siècle, ça a été le tourisme de loisirs, le tourisme hivernal et puis le tourisme estival avec des sports nautiques. Donc les lacs lorrains, beaucoup plus étendus du fait de ces vallées en pente plus douce, le climat étant un peu plus rude de ce côté. Les glaciers ici sont allés beaucoup plus loin que du côté alsacien et ont laissé des formes qui ont retenu à l'arrière ces lacs. Retour en Alsace. Le long des collines passe une autre voie célèbre de la région, la route des vins. Elle traverse les parcelles de dizaines de domaines viticoles réputés. La route des vins, c'est une manière vraiment idéale de découvrir le paysage alsacien. On a toujours une perspective dominante sur la plaine. Et en même temps, on est sur le piémont des Vosges. Donc on a cette possibilité de pouvoir faire des incursions dans la montagne des Vosges et qui sont aussi une occasion magnifique de découvrir une Alsace un peu plus secrète. Chaque année, à l'automne, Christian Pion parcourt le vignoble. Il est négociant en vin et va à la rencontre des meilleurs producteurs. Pour nous, c'est vraiment la condition sine qua non pour nous intéresser à un domaine. C'est découvrir sur place les vins, leur style, leur potentiel. Je recherche plutôt des vins de terroir et il n'y a que le verre en main qu'on peut le confirmer. Christian va suivre la route des vins du nord au sud sur presque 170 km et traverser une soixantaine de villages viticoles. Cette route créée en 1953 passe par les plus grands crus des vins d'Alsace comme Andlau, Riquewihr ou encore Guebwiller. Elle finit à Thann où Christian va participer aux vendanges. Mais pour l'heure, il arrive dans les parcelles de Mélanie Pfister. Il y a 9 ans, elle a repris le domaine de sa famille, à quelques kilomètres de Strasbourg. Le vin produit ici constitue depuis des siècles une des principales richesses de la région. C'est pourquoi ce terroir s'appelle la Couronne d'Or. Là, on a une vue magnifique sur la Couronne d'Or. Oui, on domine le paysage. C'est vrai que le Schararberg, la colline sur laquelle on se situe, permet de voir qu'on est vraiment dans un environnement très diversifié. Il y a aussi des prairies avec des animaux. On a encore 2 éleveurs dans le village. Et c'est vrai que c'est un paysage qui est vraiment très attractif. Mélanie est une des rares vigneronnes d'Alsace. Sa famille est installée dans la région depuis la fin du XVIIIe siècle. Ce matin, elle emmène Christian découvrir ses vignes plantées d'un cépage réputé, le Riesling. C'est super, il y a une belle charge quand même. Hein. C'est nos Riesling, ils sont vraiment chouettes. Ouais. Donc les Riesling, on les distingue bien, toujours ces petits points noirs à la surface. Ces raisins font l'objet de soins particuliers. Dans la Couronne d'Or, Mélanie est une des seules à pratiquer une agriculture raisonnée sur certaines parcelles. Puis tu vois, nos engrais verts commencent à pousser. Donc là, on a semé des févroles, de la vesse, et ça nous donnera une belle matière organique ce printemps. Ça, c'est bien. Hein. Ça évite en fait de travailler les sols. Ouais. C'est la plante qui travaille elle-même les sols. C'est la plante qui travaille, c'est-à-dire qu'on a différents types de systèmes racinaires, des pivots, des racines fasciculées. Et ces plantes-là travaillent toutes seules et on n'a pas besoin de passer avec la charrue derrière. Le vigneron imprime toujours son style au vin, par des choix qu'il fait à la fois dans les dates de vendange, dans la manière dont il conduit sa vigne, bien évidemment, dont il limite les rendements,
et à la manière dont il vinifie aussi ses vins. Et on comprend les choses quand on vient dans la vigne du vigneron. Christian Pion reprend la route des vins. C'est une route des vins tout à fait contrastée qui permet de traverser des régions relativement différentes. Pendant que je vous parle, là on est derrière Andelot et on a vraiment un vignoble qui s'insère quasi dans la montagne avec des vignes tout à fait escarpées, très pentues. À Andelot, le vignoble s'épanouit sur ses coteaux depuis le Moyen-Âge. Ce sont les moines de l'abbaye du village qui ont fait rayonner ces vins dans toute l'Europe. La cité était gardée par le château d'Andelot qui domine toute la plaine d'Alsace. Christian poursuit sa route. Il se dirige vers Albé, un petit village du contrefort des Vosges, le plus haut vignoble d'Alsace. On est dans un lieu qui est exceptionnel. On est entouré de forêts. La vigne est plantée dans des petites réserves. Tout est très pentu. On est entouré de sauvagerie. Et c'est le seul vignoble de montagne d'Alsace. On est entre 300 et 600 mètres d'altitude. Et la vigne, donc, est la seule petite poche de vigne qui est en dehors du piémont des Vosges. Dans cette petite parcelle, Clément et Michel Bartel utilisent des techniques anciennes. Aujourd'hui, les deux frères ont repris les rênes du domaine familial, qui est en pleine renaissance. Mais non, ça n'a pas l'air facile, là, hein, c'est pentu. C'est exactement comme mes grands-parents travaillaient. Ils piochaient sous le rang, et au milieu, là où ils pouvaient, ils passaient avec les bœufs. Et là où ils ne pouvaient pas, comme ici, ils remuaient, parce que le schiste, c'est des sols très pauvres. On ne va pas très profond, on fait juste un travail superficiel pour enlever les mauvaises herbes. Et voilà, et pareil, le plan de palissage, donc 4-5 fils, planté très étroit. Donc une densité de plantation à l'hectare beaucoup plus importante que la normale. Là, on doit être à, on est à combien ? On est à 6000 pieds hectares à peu près en densité. Oh, c'est la plus petite parcelle du village, là. Hein. On doit être à combien de pieds ? Ben, il y a 140 pieds. 140 là. Pieds. Donc c'est vraiment juste une parcelle un peu test, témoin. Donc vraiment travail à l'ancienne, donc sans temps désherbant, sans aucun produit chimique. Ça sera notre première petite récolte. Elle est plutôt bien, il n'y a pas beaucoup de raisins, c'est normal, elle est très jeune, mais tout fait à la main, exactement comme mon grand-père travaillait. Après le bêchage, Clément déploie un filet sur les vignes pour protéger le raisin des oiseaux. Nous sommes au début du mois de septembre. Dans quelques semaines, les vendanges vont commencer. Plusieurs fois par jour, Michel et Clément surveillent l'évolution des grappes. Un peu de sucre. Pas mal. On a toujours des notes d'agrumes, une bouche un peu citronnée, très très typée. Et on a une fin de bouche sur la minéralité, très très intéressante. Tout ça, c'est lié vraiment au terroir. On est vraiment dans la montagne, donc il y a toujours plus de fraîcheur dans les vins. Donc en fait, c'est des vins qu'on peut garder beaucoup plus longtemps. Ouais. Ce résultat, les deux frères l'obtiennent aussi grâce à un aménagement typique. On a fait le choix de mettre ces vignes en terrasse parce que la pente était trop importante. Comme ça, en travaillant à plat, on a beaucoup plus envie d'y aller dans les vignes. Parce que c'est en étant dans les vignes manuellement qu'on voit comment la vigne elle évolue, qu'on voit aussi s'il y a des maladies, qu'on voit si la vigne se porte bien. Et l'avantage surtout des terrasses, donc des vignes en escalier, c'est que le talus qui est derrière le rang emmagasine la chaleur. Le talus fait comme un radiateur et ça accélère vraiment les maturités. Dans les parcelles les plus hautes, les Bartel exploitent du pinot noir, qui donne un vin rouge. En plein cœur des vignes, Christian retrouve le père de Michel et Clément, qui a créé le domaine il y a 20 ans. Donc quand je me suis lancé, beaucoup me disent « mais t'es fou, là, aller dans ces terrains-là, d'être
dans des montagnes, défricher, reconquérir la nature pour faire de la vigne, c'est un challenge fou, il ne faut pas y aller. Tu as un boulot stable, pourquoi tu t'emmerdes à ça? Enfin, voilà, c'était la réaction des personnes. Et en fait, c'est un challenge, c'est vrai, mais c'était aussi le moment où il fallait l'oser parce qu'il y avait du potentiel ici, les terroirs n'étaient pas occupés, comme c'est le cas peut-être ailleurs dans le vignoble, il y a beaucoup plus d'espace à réouvrir. Et c'était le moment de le faire. Et là, je suis content que mes enfants reprennent, mais que ça donne peut-être aussi une idée à d'autres de suivre ce chemin-là. Ah, les arômes sont vraiment expressifs. Hein. On est sur les petits fruits rouges, il y a un petit peu de fruits noirs, une petite touche épicée. Donc, je pense que ces vins-là, à l'aveugle, il y a pas mal de sommeliers qui pourraient se tromper et les placer dans des régions totalement différentes, parce qu'ils imaginent peut-être pas qu'on puisse produire des vins d'aussi grande qualité en Alsace. Après Albé, Christian parcourt la partie la plus réputée de la route des vins, où se succèdent les villages. Alors c'est ça qui est magnifique, c'est qu'on traverse plein de villages tout à fait typiques. Ce sont des villages alsaciens qui la plupart sont encore un petit peu dans leur jus. Il y a beaucoup de maisons anciennes, à colombage, comme vous pouvez le constater. Tous ces villages, en fait, sont habités par des vignerons qui ont une culture particulière, à la fois de leur terroir singulier et en même temps de leur histoire. Donc quand vous partez du nord au sud, vous avez des tempéraments différents, vous avez des vins différents, des caractères différents. Dans le Haut-Rhin, le négociant en vin traverse Rigvir. Cette cité médiévale a gardé ses anciens remparts et sa tour-porte. Il protégeait des pillards le précieux vin élaboré dans les caves de ses maisons viticoles. Plus loin, apparaît un des paysages les plus spectaculaires du vignoble alsacien, le Rangen. Ce vignoble, planté sur des pentes qui atteignent 70% par endroit, est le plus escarpé d'Alsace. Aujourd'hui, c'est le début des vendanges. Donc la consigne reste la même, hein. Vous pouvez tomber, mais pas les sons. Ici, la famille Chauffit exploite 5 hectares de vignes. Bernard, le père, et Alexandre, son fils, dirigent ce matin des vendangeurs rompus à cet exercice périlleux. Si on tombe, bon, il ne faut pas que le seau y tombe. Le vendangeur peut tomber, mais il faut qu'il sauve le seau dans un ultime élan d'action. Là, bon, mon seau commence à être plein. Autier ! Dans le rang d'à côté, Christian Pion vendange lui aussi. La pente, voilà, elle est là, elle est permanente dans le Rangen. Donc oui, c'est fatigant. C'est sûrement travailler des muscles qui ne travaillent pas tous les jours. Ça, j'ai fait de mes peines, mais... Ici, c'est aussi dur. Les vignerons travaillent ici leurs vignes selon une technique traditionnelle. Les rangs sont étroits, les pieds plantés proches les uns des autres et très près du sol pour garder la chaleur. Là, les raisins sont magnifiques. Ici, on a la quintessence de la production d'un grand vin. Il y a un terroir exceptionnel, son sous-sol, son exposition. On a tout le potentiel de produire vraiment des grands vins à la fois d'émotion et de garde. En plus, on est dans un paysage qui est unique. On domine toute la vallée de Tann. Et on a en face de nous la collégiale, là, qui est un bâtiment magnifique. On est en hauteur, on respire, c'est un lieu unique. Ce vignoble très ancien produisait déjà au Moyen-Âge un vin réputé jusqu'à la cour de l'impératrice d'Autriche. Abandonné au début du XXe siècle, il a été relancé par une poignée de vignerons il y a une trentaine d'années. Aujourd'hui, grâce à leur travail, les vins du Rangen sont mondialement reconnus.
C'est sûr, quand tu vois le soleil qui se reflète dans le raisin, t'as envie de croquer dans chaque baie. Son goût unique, ce vin le doit à son terroir volcanique, le seul en Alsace, et à la structure très particulière de son sous-sol. Là, on voit très bien le secret de ce terroir-là, avec ces les roches sont très dures, mais qui sont aussi friables. Et donc là, on voit effectivement des interstices, et c'est par là, justement, où la racine, elle va pouvoir descendre et va justement extraire cette minéralité-là, avec le contact avec la roche. Et là, le Ragnon, c'est à la fois un terroir de tous les extrêmes, et c'est aussi un vin de tous les extrêmes. C'est parmi les vins les plus riches, les plus concentrés d'Alsace. Christian, on vide. C'est tant qu'il est debout, j'ai le pied encore. Oh, ça c'est du beau saut. Et le panier de moignon, je ne vais pas dire. Mais... Ça c'est un beau saut. Ça c'est un beau saut, hein. Cela fait 5 ans que Bernard travaille avec son fils. Voilà, une belle hôte. La jeune génération, ce qui est souvent très intéressant avec eux, c'est la dégustation. Dans la dégustation, ils sont très très bons. Parce qu'ils cherchent un peu les... pas les défauts, mais avant tout les qualités. Ils dissèquent le vin, ils réfléchissent, ils essaient de mettre un nom dessus. Et ça, nous, bon, moi je suis un peu plus terre à terre. Pour moi, c'est bon ou mauvais. Hein, à la limite, hein, eux, c'est bon, il y a ça encore, il y a ça en plus. Et grâce à ça, ça permet quand même d'arriver au petit plus qui fait la différence. Et ce soir, les gars, il y aura une prime parce que le raisin est beau. Hein. Quand le chef est content, tout va bien. À quelques kilomètres de là, la route des vins conduit Panchica de Pape vers un des plus célèbres villages du vignoble. Il y a 30 ans, cette directrice de musée, originaire du Pays Basque, est tombée amoureuse d'un autre trésor de l'Alsace. Des chefs-d'œuvre d'art religieux monumentaux qui ont longtemps fait la notoriété de ces villages. L'Alsace est une terre richissime, en fait, de tout temps. On est au milieu d'un carrefour de communication entre les Flandres et l'Italie d'un côté, et entre le Royaume de France de l'autre côté des Vosges, et puis le Saint-Empire romain germanique de l'autre côté. Donc c'est très opulent, c'est très très riche, on le voit, la vigne elle est partout, et cette richesse fait qu'il y a les commanditaires pour acheter et commander ces œuvres immenses qui ornaient les églises. Et chacun essaie de montrer qu'il est plus riche que l'autre, et donc essaie de commander l'œuvre la plus chère en s'alliant avec les artistes les plus réputés et les plus connus. Ce matin, Panchica se rend à Kaisersberg. Autrefois, ce village contrôlait une des rares routes qui reliait l'Alsace au Royaume de France. Une position stratégique qui a fait sa fortune. On est vraiment dans un village typique alsacien. Là, on voit le château, on voit les premiers remparts du XIIIe. Et puis après, les remparts, la ville va s'étendre, les remparts vont s'éloigner en fait, du château. Et là, par exemple, le pont fortifié, on est en 1514. C'est le seul pont fortifié d'Alsace. Vous voyez les mâchicoulis pour que les armes à feu puissent passer et puissent défendre la cité. C'est vraiment le cœur de la ville. Et ce qu'on remarque aussi, c'est les maisons en fait, qui sont là, avec ces encombrements. Vous voyez, la partie qui est saillante, qui est très typique de toutes ces maisons alsaciennes des 15e et 16e siècles, avec les colombages, mais déjà les éléments en grès, rose. Et toutes ces couleurs, ça donne le charme aussi à ces villages alsaciens, en particulier à Kaisersberg. Le chef-d'œuvre qu'est venu voir Panchica se trouve au cœur de cette église. Derrière sa façade romane, subsiste un extraordinaire témoignage de l'art rhénan au XVIe siècle. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est tout le décor de cette église. Il faut lever les yeux vers la poutre de gloire. Et puis au fond, voir cet immense retable, et ça c'est exceptionnel, c'est rarissime. Donc c'est vraiment une chance pour Kaisersberg d'avoir cette œuvre-là.
Ce retable est remarquable pour sa taille monumentale et la finesse de ses sculptures. C'est comme une bande dessinée. Là, vous suivez l'histoire depuis l'entrée du Christ à Jérusalem, tout à fait en haut à gauche. Donc c'est le début de la Passion, jusqu'à la résurrection du Christ. Et tout ça, vous le suivez à travers des reliefs qui sont plus ou moins en relief, justement. Ceux du centre sont plus travaillés, plus en profondeur, avec plus de détails. Ceux sur les volets sont plus plats. On voit le Christ, Saint Jean à côté de lui. On voit Judas avec la bourse. Hein. Vous savez qu'il a trahi le Christ et qu'on lui a donné 30 pièces d'or contre cette trahison. Et même la près d'elle, c'est-à-dire la partie en dessous d'un retable, le soubassement d'un retable, il a repris, et c'est assez classique, le Christ et les apôtres qui sont en buste et qui forment le soubassement de l'ensemble du retable. Et je pense que pour que le retable se voit de loin, hein, c'est ça le principe en fait. Le prêtre est devant le retable et les fidèles regardent le retable. Et pour qu'il soit peut-être plus visible, ils ont choisi cette idée de la sculpture. Et le fait d'être en relief faisait qu'on le voyait mieux. C'est exceptionnel. Si Panchika est devenue une spécialiste de ces chefs-d'œuvre, c'est qu'une histoire particulière la relie au plus célèbre retable d'Alsace. À Colmar, elle est la directrice du musée Unterlinden qui vient d'être rénové. C'est elle qui a dirigé la nouvelle présentation de la pièce maîtresse des collections, le fameux retable d'Isenheim. Il a été peint au début du XVIe siècle par Matthias Grünwald. À l'origine, c'était une œuvre qui était dans une église très particulière. C'était l'église d'un hôpital. Et dans cet hôpital, on soignait les malades du feu de Saint-Antoine. Et ces malades-là, ils avaient soit des hallucinations terribles, soit ils avaient des gangrènes à toutes les extrémités du corps. Et là, on les faisait venir devant cette œuvre-là, devant ce retable-là. Ce n'était pas une œuvre, c'était une image de dévotion. Parce qu'en fait, ils venaient ici pour prier Saint-Antoine, qui est le monsieur qui est là à droite et qui est le saint patron de l'ordre, et évidemment pour prier aussi le Christ. C'est une œuvre qui marque, qui impressionne, parce qu'à l'époque, effectivement, ceux qui étaient malades et qui perdaient leurs doigts et leurs mains, ils se retrouvaient face à un Christ. Quand vous regardez les doigts tétanisés par la mort, quand vous regardez le corps qui est lacéré hein, par la flagellation, ils s'y retrouvaient, ils se disaient « Oh, moi je souffre, mais finalement lui souffre plus que moi ». Donc ils se retrouvaient là. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est vrai que c'est le corps du Christ. Mais je crois que ce que j'apprécie aussi, c'est le jeu de toutes les mains. C'est se dire qu'il y a ça, le Christ, il y a les mains de Marie-Madeleine, il y a les mains de la Vierge, il y a le doigt de Saint Jean-Baptiste. Enfin, je trouve que cet artiste, il a une façon de représenter les mains, moi qui me touche en fait, surtout dans cette crucifixion. Ce retable monumental, de 6 mètres de large et 4 mètres de haut, est aujourd'hui présenté sur 3 rangées de panneaux. Mais à l'origine, ils étaient rassemblés dans une même caisse. Fermée, elle représente la crucifixion. Mais une fois ouverte, apparaissent la Vierge et la Résurrection. Voilà, le Christ, qui était un homme mort, hein, sur la croix, terrifiant, avec ses doigts tétanisés par la mort, le voilà. Et ça, c'est... Le peintre, il est génial, parce que ça, c'est une invention totale. Il fait ce Christ qui n'est plus rien. Si vous regardez bien, il n'y a plus de matière, c'est que de la lumière. Il ressuscite et puis il s'élève dans les airs. Et le linceul qui entourait son corps mort, il prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour venir dans la lumière. Après la résurrection, une scène beaucoup plus effrayante. Des monstres et des bêtes féroces attaquent Saint-Antoine, tandis qu'à ses pieds, des malades meurent dans d'horribles souffrances. Un impressionnant mélange de naturalisme et de symbolisme. Une fois tous les volets de la caisse ouverts, voici la scène centrale que révèle le retable. La sculpture de Saint-Antoine. Suivant les fêtes, on ouvrait une première fois, on ouvrait une seconde et dernière fois. Et à chaque fois, on avait des histoires différentes qui étaient racontées.
Et donc là, le cœur du retable, dédié quand même au personnage le plus important du lieu, c'est Saint-Antoine. C'est le personnage qui est assis sur un trône, qui est rarissime. C'est toujours le même, celui avec sa grande barbe et son petit cochon et sa crosse qui se finit comme un T. C'est Saint-Antoine. Il est sévère, hein, il est là parce qu'il est là pour vous guérir, mais aussi pour vous donner la maladie si vous ne priez pas Saint-Antoine. Le musée Unterlinden est installé à deux pas de la collégiale Saint-Martin. Sa tour domine toute la ville. Un point de vue privilégié pour l'architecte chargé de la préservation de Colmar. Voilà, ici on arrive sur le meilleur point de vue sur la ville. Puis devant nous se déploient les vieilles maisons du centre-ville. À 50 mètres au-dessus des toits, Grégory Schott observe les bâtiments qui témoignent du temps où Colmar était une ville libre du Saint-Empire romain germanique. On reconnaît là la maison la plus ancienne, la maison Adolphe, qu'on reconnaît à ses arcatures gothiques, qui est contemporaine de la collégiale. Et puis le corps de garde, qui est un bâtiment public, hein, se tenait la garde de la ville. On a 4 ou 5 siècles d'histoire ici, à nos pieds. Dans les rues de la vieille ville, certaines maisons remarquables racontent la prospérité des bourgeois entre le Moyen-Âge et la Renaissance. On est face à la maison de Pfister, au cœur du centre-ville de Colmar. On a ici une architecture gothique. On a une maison avec un oriel d'angle qui est sur 2 niveaux, un niveau en pierre, en grès jaune de Roufac, et un niveau en bois, avec cette balustrade. Cet édifice est exceptionnel parce qu'il est caractéristique de la période Renaissance rhénane. On a ici un bâtiment qui est symbolique de la puissance des marchands, mais aussi de leur savoir. Et ils veulent montrer qu'ils sont cultivés. C'est une période dite de l'humanisme. Donc on a une représentation ici de cette culture humaniste, typiquement au XVIe siècle dans le bassin rhénan. Pour afficher leur notoriété, les propriétaires font apposer leurs portraits sur la façade. Pour les murs, ils demandent aux plus grands artistes de l'époque de peindre des décors. On y retrouve les grands empereurs germaniques, mais aussi des blasons de l'Empire et de la ville de Colmar. À quelques rues de là, voici le plus vieux bâtiment administratif de la cité, le Koifus. Son portail est orné d'un aigle à deux têtes, le symbole du Saint-Empire romain germanique. Alors ici, on rentre dans la partie administrative et politique de la ville de Colmar. Là, on arrive dans une pièce remarquable, la salle du conseil. C'est ici que se réunissaient les députés de la Décapole, la fédération des 10 villes impériales d'Alsace, fondée au milieu du XIVe siècle. Donc c'est une salle de représentation, très ornée. Sur les vitraux, on a les blasons des villes qui sont alliées avec Colmar. Il y a 10 villes qui se sont alliées à la ville de Colmar pour défendre leurs intérêts. On a aussi ces colonnes torsadées très, très décorées, qui sont toutes différentes les unes des autres. C'est une salle assez luxueuse pour accueillir les différentes communes de la Décapole. Parmi les villes les plus célèbres de cette alliance, on comptait Agno ou encore Münster. À la sortie de la vieille ville, deux tours dominent l'autre quartier qui fait l'identité de Colmar, le quartier impérial. Il a été construit par les Allemands lors de l'occupation de la ville entre 1871 et 1918. Situé au cœur d'un parc, cette tour néo-médiévale est le symbole de ce nouveau quartier.
Elle cache en fait un bâtiment utilitaire qui a marqué l'entrée de Colmar dans une ère nouvelle. Ce château d'eau est indispensable à l'urbanisation du nouveau quartier allemand qui se crée. Ces nouveaux quartiers pour les notables, pour les gens, les nouveaux fonctionnaires qui arrivent en masse à Colmar, veulent toute la modernité. Donc un château d'eau, l'eau courante, l'assainissement, des rues larges, aérées et le moins possible de problèmes sanitaires dans ce nouveau quartier, contrairement à ce qui se passe au centre-ville, zone insalubre à l'époque. À côté des jardins du château d'eau, voici la cour d'appel de Colmar. L'ancienne cour de justice allemande dont la construction commence en 1902. Certains décors de ce bâtiment rappellent le célèbre palais du Belvédère de Vienne. Dans le prolongement du boulevard, la gare est l'autre emblème de cette époque, avec son donjon de 36 mètres de haut. Alors on a une élévation là, de la gare qui est impressionnante. Un grand bâtiment avec un pignon Renaissance quasiment, en briques et grès. Et ce donjon très marquant dans le paysage urbain, qui est là pour impressionner en quelque sorte, pour dire, ben voilà, on est sur un monument. Au sommet du pignon, vous avez aujourd'hui les armes de la ville de Colmar avec la massue. À l'époque, c'était le symbole de l'Empire germanique, l'aigle à deux têtes. L'Empire allemand veut bien marquer son territoire, en quelque sorte, aux portes de la France. À l'époque, les Allemands ont besoin du train pour des raisons militaires. L'idée était d'irriguer les vallées vosgiennes assez rapidement depuis Colmar pour pouvoir monter éventuellement, en cas d'attaque française, des troupes très rapidement pour aller au plus près des zones de combat. Grégory emprunte maintenant l'escalier de service pour se rendre au sommet de la tour de la gare. Alors voilà, on y est, c'est le sommet de la tour, de l'horloge. On est à l'étage des horloges, à environ 35 mètres du sol. Et puis ce qu'on peut voir ici, c'est ces petites échauguettes qui donnent des vues sur la ville. Et là, sur l'avenue Poincaré, ce quartier, c'est une vitrine pour l'architecture contemporaine du début du XXe siècle. On a un certain nombre de maisons art déco. Et ce quartier va poursuivre son urbanisation, évidemment, après la Première Guerre mondiale. Et on aura un certain nombre de grands équipements, comme des hôtels, la chambre de commerce, qui vont s'installer entre les deux guerres, sur la place de la gare. Colmar, c'est une commune qui a su allier ce passé de ville frontière en prenant le meilleur, finalement, des Allemands, des Français. Et je pense que c'est une ville qui est reconnue pour cela, effectivement. Entre Colmar et Strasbourg, l'Alsace possède un espace naturel unique en Europe. Le Grand Ried. Ce territoire de 70 km de long est bordé d'un côté par l'Ille, une rivière qui coule jusqu'à Strasbourg, et de l'autre par le Rhin. Cette ancienne zone inondable a été asséchée au fil du temps pour augmenter les surfaces agricoles. Il est 7h du matin. Christian Muller et Serge Dumont se préparent pour un vol au-dessus du Ried. Il faut prendre le sens du vent pour que le vent aide à gonfler. Là, il est à peu près bien. Je vais commencer à chauffer la flamme et il va se lever. Christian Muller a spécialement adapté cette montgolfière pour survoler ces paysages aujourd'hui en danger. C'est un moyen silencieux, c'est décoller comme dans un rêve. Après, vous avez vu le paysage magnifique, c'est un rêve, quoi. Christian et Serge sont scientifiques. Ils observent les transformations du Ried depuis 30 ans. Au moment du décollage, un tapis de fleurs typique se déroule à leurs pieds. Bon, ce qui est magnifique, c'est qu'on voit toutes les colchiques. Ce qui est particulier avec les colchiques, c'est qu'à cette période, tu ne vois que les fleurs. Que les fleurs. Et les feuilles et la capsule ne vont apparaître qu'au printemps. Si on regarde ici, on a des roseaux,
Donc on voit bien que finalement, ce sont des plantes de zone humide. Et le terme Ried vient d'un vieux terme allemand, Ried, qui veut dire roseau. Ouais, ouais, c'est ce que je préfère avec ma dinabule, c'est raser les arbres. En France, on se les mange pas. Un chevreuil là, dans le maïs. Ce Ried, je l'ai connu il y a 20 ans, quand j'ai commencé à faire de l'ornitho. On allait se cacher dans les arbres et on voyait des affûts avec des biches, des hardes. J'avais amené un copain parisien, il a cru que je l'avais emmené dans un zoo, tellement c'était magnifique. Il faut le préserver pour qu'on ait encore des oiseaux migrateurs, qu'on ait encore des orchidées à voir. Et là, plus on voit, ben, plus les prairies disparaissent, plus le maïs est là. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est en train de disparaître et ça disparaît à très grands pas. Régulièrement, les deux chercheurs constatent les conséquences de l'agriculture intensive qui grignote les prairies du Ried. Environ 70% de ces espaces naturels ont été transformés en champs de maïs depuis les années 60. Bah, on a le bon axe finalement de vol, hein, parce qu'on voit que là-bas c'est que du maïs. Et là c'est la seule bande finalement de prairies. Ces prairies du Ried, ce sont des timbres-postes, hein, vus du ciel. Il y a beaucoup de cultures intensives de maïs. C'est la plaine du maïs, la plaine d'Alsace. Parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a une nappe phréatique, c'est la plus grande réserve d'eau douce d'Europe. On considère que la partie alsacienne, c'est 50 milliards de mètres cubes d'eau sous nos pieds. Christian et Serge survolent maintenant le Ried noir, une zone particulièrement menacée. Ça fait encore des rares zones où il y a encore des haies, hein, un peu partout ici. Ah, là d'ailleurs, il y a des mares, là. Magnifique zone humide ici, magnifique. La nappe phréatique et la fleur, et la moindre dépression forme une mare. Ce que j'adore, c'est ce bouquet d'arbres au milieu. Ah, excellent. Et c'est quoi? C'est un aulne glutineux. Ah, la linus glutineuse. C'est fait partie des rares arbres, justement, qui supportent les sols du Ried noir. Donc on voit bien là l'aulne glutineux, superbe. Et là, il y a le cornouiller. Ah, le cornouiller au milieu, ouais. Qui commence à rougir. Ouais. Ah, ça va. Dans quelques jours, ça va être super, mes couleurs. C'est toute cette végétation que l'on trouve ici qui fait la richesse botanique du Ried. Alors regarde là-bas, on devine la présence d'une petite rivière bien dissimulée par la végétation. C'est en bordure de cette prairie que se trouve l'une des merveilles de la région. Ici, on l'appelle la Belle Source. Elle se cache derrière cette rangée d'arbres. Elle est toujours aussi belle, cette belle source, ce super trou de tonnerre, comme on dit en alsacien. Il faut bien se rendre compte, hein. C'est une petite rivière, rivière phréatique, qui va courir sur quelques kilomètres avant de se jeter dans une plus grosse rivière, qui est la Zems, et qui, elle, va encore aller plus loin pour se jeter dans le Rhin, donc, parce que toutes les rivières finissent ici dans le Rhin. Et ce qu'on voit ici, c'est une résurgence de la nappe phréatique. Et à certains endroits, cette eau sort sous pression avec des petits cailloux de sable qui dansent vraiment sur le sol. Comme ça bouillonne, c'est assez extraordinaire. C'est d'ailleurs unique en Europe d'avoir ça. Dans cette eau à la température constante, pousse une plante typique du Ried noir, le potamo coloré. Un peu plus loin, un banc d'épinoches. Ces poissons et ces plantes sont de précieux indicateurs de la santé de cette rivière phréatique. Les espèces qu'on trouvera là, on ne les trouvera pas ailleurs. Elles sont vraiment inféodées à ces milieux tout à fait particuliers. Et donc c'est important pour que ces plantes persistent, qu'il n'y ait pas d'infiltration de nitrates dues aux cultures qui sont en périphérie. C'est pour ça que cette source, si on veut la préserver, il faut aussi préserver toutes les prairies qui sont autour, parce que c'est là aussi que les eaux vont s'infiltrer et que s'il y a des nitrates, ça va arriver là. Christian Müller observe à présent un milieu rare, situé en bordure du Ried. L'île de Rhino. À gauche, s'écoule le Vieux Rhin, l'ancien lit naturel du fleuve. Et à droite, le canal aménagé pour la navigation des bateaux. Entre les deux,
cette forêt alluviale, toujours inondée par les crues du Vieux-Rhin. On la surnomme la petite Amazonie d'Alsace. Christian a rejoint un autre passionné qui fait découvrir au public cette forêt-galerie parmi les dernières d'Europe. Voilà, un petit bouquet d'arbres, trois arbres beaucoup plus clairs. Le peuplier blanc donc, qui a été apporté là par le fleuve. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que des espèces assez communes atteignent des dimensions qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que justement, avec ces inondations, ils reçoivent de l'eau, ils reçoivent de la nourriture. À une époque, ils en ont plus besoin, donc ils sont plus grands, plus forts que partout ailleurs. Tu as 70 espèces d'arbres, des arbustes, des buissons. Alors que dans la partie des forêts alsaciennes qui ne sont plus inondables par le fleuve, tu as 30 espèces. Les deux hommes s'enfoncent à présent au cœur de cette forêt immergée. Vu du ciel, c'est un vrai labyrinthe. En 2004, plusieurs bras ont été creusés pour que l'eau puisse circuler et alimenter à nouveau les étangs de l'île. Et là, à chaque détour, on retrouve un autre paysage, c'est ça qui est... Voilà. Et voilà l'étang de la sage-femme. Ouais. Après avoir circulé dans le dédale, on arrive dans cet espace ouvert. Époustouflant comme paysage. Surtout, on a l'impression de revenir en arrière dans le temps. C'est le Rhin comme il était avant qu'il soit canalisé, lorsqu'il avait tous ses bras, ses 3000 bras qui allaient de part et d'autre. Et puis, comme on sait en plus que c'est une réserve qui est maintenant protégée, je pense qu'on l'aura pour quelques centaines d'années, au moins, j'espère. Et ce qui est magnifique, c'est que sur un petit morceau de territoire, on a des prés inondables, on a ces anciens bras du Rhin, on peut passer des semaines à découvrir des endroits que moi qui ai grandi ici, que je ne connaissais pas encore il y a quelques années. Pendant que les deux hommes finissent leur navigation, un autre observateur de la biodiversité de l'île de Rhino entame une plongée. Serge Dumont filme régulièrement la richesse de la vie subaquatique. Il a effectué des milliers d'heures d'exploration dans les forêts immergées du Ride. Plonger dans cette rivière, c'est assez formidable car les eaux sont très riches. On a du mal à l'imaginer au premier abord, mais il y a une grande diversité de plantes, de nombreuses espèces de poissons, de crustacés. Là, par exemple, on voit la nageoire caudale d'un silure. Le silure, il chasse la nuit et se cache dans la journée dans les endroits sombres. Ici, il se cache dans les racines d'un arbre. Le silure est un poisson de grande taille originaire du bassin du Danube. Là, ce sont des gobies. Ils aiment bien se cacher sous les écorces ou sous les pierres au fond des rivières. Ce sont des habitats appréciés par de nombreuses espèces. Sous cette pierre, c'est un goby de Kessler. Ces gobies sont des poissons invasifs. Il y a maintenant trois espèces de gobies en Alsace. Un peu plus loin, Serge Dumont filme un brochet. Ce carnassier est particulièrement sensible à la qualité des eaux dans lesquelles il évolue. La rivière sert aussi de refuge à d'autres espèces plus insolites. Regardez cette éponge. Elle fait plus d'un mètre de long. Elle est à peu près au centre de la rivière, accrochée à l'extrémité d'un arbre. Avec le soleil en arrière-plan, c'est vraiment splendide. Et ça, c'est la surprise du jour. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, il y avait beaucoup de poissons, mais je n'avais pas vu d'éponge. Et elle est vraiment magnifique. Si l'on trouve beaucoup de poissons ici, c'est parce qu'il y a de nombreux abris, comme des arbres immergés ou des amas de branches et des plantes aquatiques. Ces arbres créent aussi des zones de calme et des zones avec plus de courant dans la rivière. Il ne faut pas oublier que c'est la diversité des habitats qui permet d'accueillir la biodiversité animale et végétale. Le plus souvent, les espèces disparaissent justement à cause de la perte des habitats.
Et voir autant de vie dans cette rivière aujourd'hui, c'est la preuve qu'elle est en bonne santé. Il est important pour moi de filmer ces milieux aquatiques pour faire connaître toute cette biodiversité et expliquer comment la préserver et même comment en favoriser l'implantation.